En titre en danse, Soldas, et là il patine en individuel. Le Canadien Paul Poirier, donc qui a la particularité de faire à la fois de la danse sur glace et de patiner individuellement. Vous allez découvrir ça, un très beau patineur. Il était 9e à l'issue du programme court. Paul Poirier pour le Canada. Bon, allemand, je crois qu'on peut le dire, c'était pas le jour de Paul Poirier là. Hein. Non, très difficile ce programme, beaucoup d'erreurs, quasiment sur tous les sauts, par un beau triple flip, tous les autres sauts sont soit accrochés, chutés. Bon,
C'est sûr que c'est pas un très très bon programme, mais faut quand même saluer sa performance parce que vice-champion du monde junior en danse, ça signifie qu'il peut pas s'entraîner très souvent sur les sauts et que donc on peut que saluer malgré tout sa performance parce que se lancer sur des triples comme ça quand on est spécialisé de danse sur classe, c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois que je vois ça honnêtement. Il y avait déjà des gens qui ont fait la finale, qui ont été champions du monde junior il y a une vingtaine d'années, des Américains, Galindo et Yamaguchi, qui ont été champions du monde junior en individuel et en couple, donc c'était exceptionnel aussi. Mais alors là, on danse sur glace, c'est quand même une discipline complètement différente. Donc je lui tire quand même un grand chapeau, quoi, même si bien sûr ça va pas le classer. Non, mais on sait qu'il est capable très de mieux quand même, hein, puisqu'il il a été quand même deuxième au championnat junior canadien. Voilà, hein, c'est quand même une très très grosse performance parce que donc c'est champion canadien en danse, vice-champion du monde junior en titre. Il sera d'ailleurs sur les Grands Prix seniors en danse cette année. Je crois qu'il sera au bon part. J'ai pas vérifié, mais. En tout cas, non, mais quand même. On risque de le revoir, Paul Poirier, et dans de meilleures conditions, parce que là, il n'était pas dans son assiette. Non, hein. C'est sûr. Peut-être pas assez préparé, parce que voilà, il a d'autres disciplines à travailler en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour lui, mais quand même remarquable. Bon, on peut, en le comparant aux autres patineurs, on peut remarquer qu'il est plus en quart, ce qui est normal vu son background en danse. Après, des grosses erreurs quand même techniques, mais 40 points quand même en technique, parce que là, ça part d'un niveau de difficulté assez élevé, même s'il y a beaucoup de déductions. Et 46 en présentation, donc c'est assez élevé. Ça va finalement pour... Ouais, il s'en sort bien. Moi, j'aurais mis derrière Romain, donc je suis peut-être subjectif, mais je pense pas... Il s'en sort bien. 130,6 au final, donc pour le Canadien Paul Poirier. Qui du coup passe devant le Français Romain Ponsard. Bah ouais, c'est un peu curieux, mais peut-être que les juges ont été impressionnés par son nom et son palmarès en danse sur glace. Et donc là, vous allez voir, découvrir l'entraînement, l'échauffement.